L'appel du large et une chaleur exceptionnelle ont eu raison du virus. Les vacanciers venus en grand nombre sur la plage de Malo à Dunkerque n'avaient qu'un seul souhait. Surtout pas de confinement, c'est tout ce qu'on demande. Oh oui. Parce qu'on en a eu le moral, il a été trop bas avec le confinement. Alors forcément, avec 17 degrés à l'ombre, il fallait en profiter. On appréhende, c'est tout fait beau, ça rallonge. Alors, je ne dis pas si on est à la maison, je ne sais pas ce qu'on va faire. Hein. Je ne sais pas ce qu'on va faire, ça ne sera pas évident. À Gravelines, à quelques kilomètres de là, les grandes étendues de sable rassurent les plus craintifs. On reste inquiet depuis le début de toute façon. Mais après, mon état d'esprit me dit qu'il faut profiter malgré tout de la vie quand même. Donc on sort, on fait prendre l'air aux enfants, on profite, c'est les vacances. Je suis en vacances, donc on profite une journée, prendre le soleil. On s'est dit, il fait beau, on profite une dernière fois parce que bientôt, on ne pourra plus. À l'office de tourisme, les vacanciers s'orientent davantage vers des activités de grand air. Une différence toutefois, la nature du public. On n'a pas les grands-parents qui ont reçu les petits-enfants, du coup, parce que ils ont peur aussi peut-être d'attraper des choses avec les petits-enfants. Donc il y a moins de brassage de famille entre elles. Aujourd'hui, sur la côte, les embruns de la mer avaient une saveur particulière, comme lors du dernier jour des vacances.